They tell me to slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's messing me out. Hey les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Tidej. Je vous présente la Fen Catena 85 et c'est un superbe mode. Franchement, il est magnifique. Regardez par vous-même. C'est by Steph 33, qui a déjà fait un 1050, je crois, qui a déjà fait d'autres modes. Il est très fait, il me semble, ce mec-là. Très 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 joli. Franchement, regardez, Katana 85, magnifique. Il est vraiment beau. Hein. On voit même le moteur derrière. Hop, avec les pick-up pour l'herbe. Regardez-moi ça. Marqué Fen devant, pareil là aussi. C'est superbe. Donc on va monter dedans. Hop. On va voir les options. On enlève la TH. On regarde les options. On regarde s'il y a un IC. Oh oui. Oh ouais. Est-ce que ça marche l'IC quand... Ah, l'IC il marche en plus quand on est en mode sans ATH. Regardez-moi ça. Les essuie-glaces ils marchent quoi. Magnifique. Hop. Ah ouais, c'est pour teindre la vitre en fait, regardez. Plus clair. Là sur les côtés pareil. Ah c'est magnifique hein, la porte qui s'ouvre je pense, voilà. Waouh, aïe, il a fait du taf de ouf le mec. Vous pouvez changer la couleur aussi. Vous pouvez allumer le téléphone, l'iPhone bien sûr. Oh aïe, il a fait un taf de ouf. Je regarde si derrière il y a un ATH, y a un truc à faire derrière, non. C'est jamais hein. Allez, il a fait un taf de... Je refais un petit coup. Hop hop. On redescend, on remonte. C'est magnifique. Là c'est pour voilà. Au cas où c'est du soleil je pense. Moi personnellement je préfère comme ça. Hop, on baisse ça. On remet la porte. Voilà, tac. Donc on se retrouve tout de suite, on va la voir en action. Tac. Donc on est les gyrophares. On regarde. Ils sont beaux. Hop, on lève ça. On met ça, regardez comment ça se déplie. Aïe. La salissure est bien faite aussi, regardez. Je suis un petit peu passé. Donc on va tester ça un petit peu. Hop, on attend que ça se déplie. Voilà. Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais à taf. Hein. Ça, y a pas de souci. Le G est magnifique. L'intérieur, regardez-moi ça, l'intérieur. C'est superbe. Aïe. En plus, la TH, il marche. Regardez, on voit plus clair. La TH, il marche bien. Allez, franchement, je vous conseille franchement ce mode. Qui est franchement superbe. Toc. Steph 33, le créateur. Donc, on va passer sur autre chose. Là, on va passer sur ça. Là, je l'ai mis sur le blé parce qu'on peut l'utiliser sur le blé. Hop. Enfin, dans le silage, regardez, ça marche très très bien. Ça marche même super bien. C'est vraiment pour tester, pour vous montrer que tout marche. Hop. Nickel chrome, quoi. C'est superbe. Aïe. On va revenir là. Je pense que le pick-up, là, ça sert à rien de vous le présenter. Vous allez voir par vous-même. C'est de l'herbe quoi, quand vous faites des andins, vous récupérez, il n'y a pas un truc ouf. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu combien ça coûte. Alors ça coûte 430 000 euros, l'entretien ça coûte 566 euros, puissance max 850 chevaux, convient pour le K10 620, machin, voilà, position L3, voilà, vous voyez ça, je vous montre. Et là, c'est une 6 mètres pour la Fen Catena. La largeur de travail 3 mètres et 11 mètres là. Ah, tournesol. Maïs, blé, tournesol. Bizarre ça. C'est bizarre tout ça. Donc voilà les amis, c'était la Catena 85 Fent.
Je vous dis aimez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. The clouds are never gray. If only there was a place. If you could just see my face, then y'all would see I'm smiling.